Salut tout le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver ici à Stamford Bridge. C'est Hervé Matou pour vous faire vivre ce match, toujours bien sûr avec Pierre Ménès. Nous allons assister aujourd'hui à un match de groupe de l'UEFA Champions League. Chelsea face au Stade Rennais. En principe, on prévoit une équipe tranquillement se qualifier chez elle. Je joue très bien un petit on n'est à jamais à l'abri d'une surprise pour ne pas avoir l'air complètement idiot à la fin. De Chelsea avec Kepa dans les buts, Thiago Silva en défense, accompagné par Kurt Zouma. N'Golo Kanté sera associé à Jorginho au milieu de terrain. Il y aura donc un seul joueur à la pointe de l'attaque. Il va falloir que les milieux lui donnent des ballons. Ce qu'on peut dire, c'est que statistiquement, les Blues passent rarement à côté dans ces phases de groupe de Ligue des Champions. Oui, enfin, c'est un peu le cas pour tous les grands clubs aujourd'hui. Avec cette histoire de chapeau, tout ça, ils sont quand même bien protégés. En cherchant bien, je me souviens d'une année où Chelsea s'était fait dégager à la différence de but particulière par Donetsk. Mais bon, c'était un peu l'exception qui confirme la règle. Alors que vous découvrez la composition du Stade Rennais. Ce sera dans un dispositif 4-3-3 traditionnel. Ouais, avec deux ailiers façon Barça. Le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Mason Mount. Ben Chilwell. Timo Werner. Oui, le centre peut-être. Oh, personne ne peut l'arrêter, il est passé. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. Le ralenti avec cette énorme faute d'inattention, il faut bien le dire, le ballon est perdu dans cette partie du terrain. Ça fait très mal tout de suite. Et ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Damien Silva. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. On cherche une solution. Il va préférer dégager en corner. L'équipe qui a pris l'avantage. Probablement au meilleur moment, on revoit ce but qui fait si mal. Il a levé la tête avant de frapper et quand on est dans la surface comme ça, c'est imparable pour un gardien. Il met le ballon exactement où il en a envie. Le corner en direction du point de pénalty. Oh, le but ! Et les deux équipes déjà à égalité ! Eh ben dis donc, c'est animé comme début de match. À ce là on aura déjà un score de tennis à la mi-temps. Intéressant de revoir la trajectoire du ballon sur ce corner. Difficile pour le gardien de réagir sur cette tête piquée. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but.
un but partout, les deux équipes dos à dos. Jorginho. Ah, ça joue physique, hein. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Guirassy. Benjamin Morigeau. Il est passé. Il a démarré un petit peu vite. Ndianzi. Amari Traoré. Continue sa progression. C'est dévié en touche. Jorginho. Jorginho maintenant. Pour Havertz. Avec Jorginho. Mason Mount. Ce ballon qui est bien récupéré grâce à ce tacle. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Ah, c'est pour un partenaire au premier poteau. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Qui est sorti des limites du terrain, ça va être un renvoi en 5m50. Il parvient à prendre ce ballon de la tête pour tromper le gardien, c'est le geste qu'il fallait faire. Havertz. Timo Werner. Une phase de possession en attendant la faille. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Ben Chilwell. Mason Mount. Et Havertz. Kanté, Pulisic, Christian Pulisic, et le but qui vient récompenser le pressing constant de cette équipe, Pierre. Oui, elle est restée fidèle à cette philosophie, ça a payé, bravo. Le but qui intervient après une sérieuse débauche d'énergie de la part de cette équipe, elle a estimé que le meilleur moyen de porter le danger, c'était encore de jouer dans le camp adverse. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Geste sans équivoque de l'entraîneur dans sa zone technique. Il est content d'être devant ce match. Les Bretons rennais qui sont menés pour l'instant dans cette partie. Benjamin Bourigeaud. Il perd le ballon. Timo Werner. Stéphane René qui va effectuer la remise en jeu avec la touche. Damien Silva. Benjamin Bourigeaud. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Et ce centre qui n'ira nulle part, il est contré. L'équipe qui a pris l'avantage, probablement au meilleur moment. On revoit ce but qui fait si mal. Un ballon qui place où il veut, plein axe. Et peut-être trop d'espace dans la surface. Ah, il est bien parti ce corner.
Bien dégagé hein, ce ballon qui était dangereux. Benjamin Morijo, c'est dans le paquet. Fausse alerte finalement. Avertz. Christian Pulisic. Azpilicueta. Chelsea qui se rapproche du but. N'Golo Kanté. Christian Pulisic. Oh, c'était important de faire ce tacle. Ils ne sont pas contents, les supporters. Ils estiment que ça méritait un péno. Ouais, ce ballon qui est bien récupéré par les Blues de Chelsea. Mason Mount. Il avait vu venir. Il donne par-dessus. Il cherche un coéquipier dans la surface. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Jorginho. Christian Pulisic. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Allez, c'est donné par-dessus. Ouais, ça sort. Ce sera une touche donc. Ça s'est donné à l'adversaire. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, faut pas les laisser jouer. Kai Havertz. Il va y aller. Ouais, parfait, parfait ce tacle. Ça pouvait vraiment faire but derrière. Il y aura deux minutes de temps additionnel. Ballon récupéré par les Blues. Jorginho. Et a trouvé son partenaire sur cette talonnade. Timo Werner. Le gardien qui a bien jailli sur ce ballon en profondeur. Et c'est la mi-temps. Sifflé à l'instant par l'arbitre sur ce score serré de 2 buts à 1. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non ? Je l'ai trouvé convaincant dans cette première période et le but qu'il a marqué sera peut-être décisif aujourd'hui. Attention, il y a un score à préserver maintenant. Le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Benjamin Bourigeaud. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Edouard de Camavinga. Un ballon pour l'adversaire. Il porte le ballon. Allez, qui va reprendre ce ballon. Martin Terrier. Eduardo Camavinga. Petou Mawasa. Ouais, le cadeau. N'Golo Kanté. Ah, la bonne qualité de ses passes. Christian Pulisic. Je sais qu'il a le ballon, qu'il a perdu. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Une aide qui tarde à venir. Ah, il est René qui se régale, qui nous régale avec cette belle séquence de passes. Oh là là, il est allé le chercher ce ballon. Oh, quelle détente, quel plongeon. Et pourtant, il était loin du ballon, mais finalement, il a réussi à écarter le danger. Bravo. Le joueur qui sort sous les applaudissements de ses supporters. Oui, il faut dire qu'il a réalisé un gros match. Bravo à lui.
Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Mal joué, mal négocié ce ballon. Il a préféré ne pas prendre le moindre risque. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Il faut qu'il centre là. Allez, il a préféré dégager en corner. N'Golo Kanté, le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Le ballon qui sort, touche. Alors qu'on va procéder à un changement. Benjamin Bourigeau. Chelsea qui se rapproche du but. Oh, le grand danger! Le gardien qui repousse, il y a toujours danger! Pas de risque inutile, c'est dégagé en touche. On cherche la faille dans la défense adverse. Avec Kanté. Ah oui, le bon ballon là. Oh, le ballon! Oh, l'erreur qui tue! Allez, on va regarder le ralenti. Pas pour se moquer du malheureux qui a envoyé le ballon dans son propre but, mais pour constater qu'il n'y pouvait pas grand-chose en fait. Que sur ce ralenti. C'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Assez dur moralement, mais il faut tenter d'oublier ce but. Un prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Ah, ce serait pas mal, oui. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Jorginho. Ziyech. Aspilicueta. Ziyech. Et le ballon dans les pieds des Rennais. Eduardo Camavinga. Magnang. Le bon ballon donné par-dessus. Benjamin Bourigeau. Ah, bonne intervention décisive du défenseur sur cette action. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Calum Hudson-Odoi. Hakim Ziyech. Porté. Il va y aller. Et le but, le voilà. Encore un but. De toute façon, c'est toujours le même qui marque. À ce rythme-là, il va arriver avec un gros total de buts à la fin de la saison. Alors qu'on nous remontre ce but avec peut-être une erreur d'appréciation de la part du gardien qui a quand même laissé un boulevard au buteur à son premier poteau.
Ah, c'est probablement le coup de massue, ils ne pourront pas revenir. Chelsea va profiter de ce désert sur les côtés. Il est bien placé, il peut centrer. Christian Pulisic. Le ballon par-dessus. Oh, ça peut faire but. Et Chelsea qui marque. Ce magnifique enchaînement, une touche de balle. Ah, c'est allé très très vite. Après, je suis assez effaré par la détermination et la qualité de la finition du buteur, malgré la pression. L'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche. Ses joueurs dominent le match de la tête et des épaules. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Goal for Chelsea, number 7. 8 minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer. Ziyech. Chelsea qui n'a plus le ballon, qui l'a perdu. Ce sera une touche pour Chelsea. Aspilicueta. Thiago Silva. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Ah, pas de problème, hein, ça, le ballon circule bien. Oui, ils font vivre le ballon, c'est intéressant. Le ballon est perdu. 3 minutes à jouer dans cette partie, sans compter le temps additionnel. Eduardo Camavinga. L'arbitre se contente de sermonner le joueur. Oui, pas de carton pour cette fois, mais enfin attention pour la suite. Ah, il transforme ce penalty, pas de problème. Qui va nous permettre de comprendre un peu mieux ce qu'a fabriqué le gardien pendant ce péno. Le ballon lui arrive dessus, mais il se mélange quand même les crayons. Ça fait 5-2, hein. On se régale. Il y a vraiment beaucoup de buts aujourd'hui. Fin du temps réglementaire. On est rentré dans le temps additionnel qui sera de 4 minutes. Mateo Kovacic avec Jorginho. Kovacic. Benjamin Bourigeaud. Jorginho. L'arbitre qui siffle la fin de la rencontre. C'est déjà une défaite pour cette formation. Ouais, ça prouve à quel point cette Champions League est relevée. Au moindre déficit dans l'engagement ou dans la rigueur, la sanction est immédiate. Et immédiate, mais bon, il reste encore 5 matchs. Hein. Alors, est-ce que N'Golo Kanté a été à la hauteur de son talent au milieu? J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match. Il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but. C'est toujours bon pour la confiance.